à tous et à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes dans la forme et j'espère surtout que vous êtes prêts pour ce nouveau live play. Donc, déjà, quelques petits trucs à vous expliquer avant de débuter. Plusieurs le savent, premièrement, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que le micro est peut-être un petit peu loin de moi. Donc dites-moi si vous m'entendez bien, si vous m'entendez pas, si ça fonctionne pas, si vous n'êtes pas content. Donc on va attendre un petit peu les retours, mais je vais continuer de vous expliquer quand même à cette distance. Plusieurs le savent, je connais pratiquement par cœur le jeu Until Dawn pour avoir regardé plusieurs let's play, soit sur la chaîne de B-Boy, la chaîne de Siphano, Squeezie, bref, j'ai regardé plein de gens. Donc c'est pour ça que j'ai pris la décision aujourd'hui de vous faire le jeu, mais pas seul. Je ne serai pas seule. Je serai en compagnie d'une personne que vous connaissez un petit peu, qui n'a pas été souvent là sur la chaîne, mais je suis en compagnie de... Bon, vous l'avez gentiment appelé Minimis, donc je suis en compagnie de Minimis, bonsoir. Bon matin. Donc, elle ne connaît rien du tout du jeu, donc vraiment rien du jeu. Donc du coup, c'est moi qui vais jouer, mais c'est elle qui va prendre toutes les décisions. Donc, si elle tue des personnages, c'est de sa faute, c'est pas la mienne. Eh oui. Là, juste... Donc je vous invite, vu que c'est un jeu un petit peu horreur, à vous mettre dans le noir, dans l'ambiance. Moi, c'est ce que je vais aller faire, parce que là, on a laissé toutes les lumières ouvertes. Donc donnez-moi une demi-seconde. Je vais aller fermer ça. De toute façon, je reste prêt. Regardez, vous m'entendez. Là, 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 je suis là. Je suis là. En plus, chez moi, c'est jour. Je suis partie. Pas du tout installé comme d'habitude. Niveau configuration, c'est un petit peu la merde, je vais vous avouer. C'est un petit peu la merde. Et là, je m'entends un petit peu fort. On va descendre ça. Donc, coucou à tous ceux qui rejoignent le live. Donc, bah, sans plus tarder, on va commencer, je pense. Donc là, vous pouvez me dire aussi s'il y a des lags, ce serait possible, c'est la première fois que je stream avec ce logiciel, donc je sais pas trop comment il fonctionne et j'ai peut-être encore fait de la merde, ce qui serait tout à fait possible. Donc, Minimis, donc, attention à toi, Miss. Ouais, donc moi je vais faire tout ce qu'elle me dit. Donc là, je remets mon casque, je prends la manette qui est au sol, parce que oui, j'ai pas de respect pour les manettes de PlayStation 4. Ok. Donc juste avant de commencer, nous avons déjà reçu un don quelques minutes avant le live, donc de la part de Eric de Montaigne qui dit « Ne tue pas tout le monde aujourd'hui, j'aimerais te voir en live la semaine prochaine comme je ne le vois pas cette semaine. » Donc merci à toi Eric pour ton don, même si tu n'es pas là. Même si vous ne voyez pas les chiffres s'afficher, l'objectif PGW 2016 est toujours en cours. C'est juste que comme déjà dit, je ne suis pas sur le même logiciel que d'habitude et je n'ai pas trouvé comment afficher du texte. C'est un peu con, hein? Mais j'ai pas trouvé comment afficher du texte, donc du coup, il n'y a pas de texte. Donc, mais l'objectif est toujours en cours. Je reçois vos dons, je peux quand même les voir, les lire. Vous, normalement, je pense que vous devriez quand même les entendre. Ouais, ça sera à voir. Donc, en faisant des tests hier, on avait commencé déjà le... On avait fait le prologue pour tester. Donc du coup, on va faire une nouvelle histoire et voir ce que ça donne. Thank you.
J'arrive pas à croire que t'aies vraiment fait ça. Vous avez pas l'impression que c'est légèrement cruel? Oh, ça va. Elle le mérite. C'est pas sa faute si elle est carrément à fond sur Mike. Anna, arrête pas de lui tourner autour. Je protège juste ma copine M. Oh. Et c'est pas parce qu'il est le délégué de classe que tout le monde peut lui sauter dessus. Mike, c'est mon mec. Hey, M, je suis le mec de personne d'autre. C'est ça, t'as raison, chérie. Anna! Elle arrive. Chut, chut, chut. Mike. Mike? C'est Anna. Salut, Anna. Vous avez vu ça? Papa a dit qu'on serait seul ce week-end. Josh? Ok, donc j'étais juste en train de vérifier s'il n'y avait pas de petits lags de votre côté, mais ça a l'air très bon. Donc pendant la cinématique de début, nous avons eu deux dents. Donc, je sais pas si vous les avez entendus, vous, de votre côté. Nous, on est assez mal foutus qu'on les entend, mais moins fort que d'habitude. Donc, c'est un petit peu dommage, parce que niveau sursaut, ça va être moyennement possible, mais c'est pas grave. Donc, nous avons reçu un don de mon petit Kazaki d'amour qui m'envoie des cœurs. Donc, je te fais des cœurs à toi aussi, Kazaki, et je t'envoie plein de bisous, et merci pour ton don. Et nous avons reçu un don de Manu qui dit « J'essaie au cas où, bon live, et attention que Minimis n'essaie pas de te zigouiller. » Donc, n'hésitez pas à me dire si le son du jeu est trop faible, trop fort, si le son de nos voix est trop faible, trop fort. Comme je vous dis, le début de live va vraiment être en mode test. J'ai vu deux messages dans la chat pendant... Ben j'en ai vu plus que deux, mais deux messages à laquelle je vais répondre pendant la cinématique. Donc Phoenix qui nous disait de prévenir Minimis qu'elle pouvait aussi avoir l'option de rien faire. Donc je lui avais déjà parlé hier, t'es au courant? Oui. T'es au courant? Oui. Parfait, allez, motivation. Et Oli qui demandait comment on fait pour savoir où on est rendu au niveau des dons. Alors Oli, je te conseille d'aller dans la page de dons directement, t'as... une banderole, un genre de bandeau, et c'est affiché où est-ce qu'on est rendu. Ça te va comme ça? Oui. Donc t'es prête? Oui. Donc, non? Oui. T'es sûre? On va dire. Ok, donc la façon que ça va fonctionner, tout ce qui est décision, que ce soit au niveau des dialogues, au niveau des trucs importants, c'est Minimis qui va choisir. Donc, elle va faire tous les choix, moi je vais faire ce qu'elle me dit. Mais moi, en contrepartie, c'est moi qui vais contrôler les personnages et qui vais faire les QTE et tout ce qui est action à faire. Donc, les ne pas bouger, tout, c'est moi qui fais ça. Voilà. Donc, sans plus tarder, on va débuter, il serait peut-être temps. Donc ça, c'est une partie qu'on a déjà fait. Hier, pour tester le jeu, pour tester que ça fonctionne bien en live, on a galéré un petit peu. J'ai passé toute ma soirée là-dessus, mais l'important, c'est que ça fonctionne. Donc... Ah, je suis prise dans ton fil. Ok, Anna, t'es trop sexy avec ce haut, mais je parie que tu l'es encore plus sans. Viens dans la chambre d'amis à 2h. Clin d'œil, Mike. XXX. Ouh. Oh putain. Dans quel merdier notre sœur s'est encore foutue. Alors, elle a eu un petit message de Mike. Comme ça. Et comme ça. Mais je suis en train de la regarder la bouteille. Non, c'est vrai que des fois, il faut que je la pose Josh. Pour que j'ai l'interaction. Une fois de plus, frangin, tu t'es surpassé. Au moins, les dialogues étant français, j'ai pas besoin de les lire. Je suis content que tu sois venu. Peut-être qu'on devrait commencer à, tu sais, se ploter et voir où ça nous mène.
élèves sont hauts. Quoi? Oh, putain, c'est pas vrai. Matt? Quoi? Qu'est-ce que vous foutez là? Anna. Désolé, Anna. C'est parti en vrille, mais... C'est juste une blague débile. Oh, merde. Vous êtes tous trop cons, vous le savez? Anna! Ok. Donc, premier choix, important. Rejoindre ou réveiller Josh? Rejoindre. On rejoint? Oui. On rejoint direct. Aucune hésitation. Eh. Il y a quelqu'un dehors. Mais qu'est-ce que... Anna! Il se passe quoi? Où est-ce qu'elle va, ma sœur? Oh, c'est bon. Elle a aucun humour. C'était juste une blague, Anna! Vous avez fait quoi? On voulait déconner, Bess. C'était juste pour rire. Bande de sales cons! Anna! Anna! Du coup, on va peut-être la chercher. Tu sais, à mon avis, t'es la dernière personne qu'elle a envie de voir, Mike. Oh merde! Ok! J'ai eu peur! C'est... Je n'ai très rarement joué avec une PlayStation dans ma vie, donc j'ai peur de me mélanger dans les touches. Rapide, prudent. Rapide. Rapide. Allez, perds pas de temps, on va chercher notre sœur. Minimis, ferme les yeux, tu es trop jeune. Mais pas. Ta sœur? Oui. Tes sœurs? Oui. Certaines? Oui. Reviens-tu sur ta décision? Non. On se voit. Go! Salut, Denise, tu as réussi à régler ton problème du coup. Alors, oui, du coup, on a réussi à régler le problème, donc c'est pour ça qu'on est en train de jouer. Et nous avons reçu le don de Douanoula qui nous fait MDR. Donc, merci à toi, Douanoula, pour ton don et pour ton message très. Complet. Putain, Anna! Mais t'es où? Mais t'es où? Pas là! Mais t'es pas là! Mais t'es où? Pas là! Non, on chante pas dans la vie d'horreur. Ok, juste 30 secondes. 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Le son est un petit peu beaucoup fort dans notre casque à nous. On s'entend presque pas parler. Donc, attends, c'est où? À chaque fois, je me trompe d'endroit. Non, c'est pas là, c'est dans périphérique! Périphérique audio et on va. Ah, je peux pas! Bah, je peux pas. C'est correct. Je peux pas parce que je suis pas en mode casque. Et du coup, j'ai pas le contrôle du son là-dessus et on n'a pas le contrôle du son sur notre casque. Donc, on doit vivre avec le son fort. Bah, écoutez, c'est pas grave. Ok. Donc, du coup, on va y retourner. Non. Attends, je fais quoi là? Attends. Oh là là. Je vais retourner à mon jeu. Mon jeu, il est là. Ok. Oui, je suis en train de découvrir la PlayStation. Je suis... ça chante pour se rassurer. Mais non, vous inquiétez pas, on est bien. Donc, on reprend. Donc, on ouvre le téléphone. Mise à jour du statut. Anna. Where are you, Anna? On fait diriger le faisceau lumineux à l'aide du joystick droite. Ok. On n'entend pas les dons. Ah, c'est fort probable, ça, malheureusement, c'est à cause du... C'est très très mal foutu, le truc. Honnêtement, j'ai tellement galéré à les... à le faire que je vais peut-être voir pour le prochain live, mais pour ce live-ci, ça va être comme ça. Donc, nous avons reçu un don de Phoenix qui dit « Voilà un petit don pour inaugurer ton premier jeu PlayStation sur la chaîne. Minimis, je te souhaite bon courage. J'espère que tu es mentalement et physiquement prête. Courage, les filles. » Alors. Alors, merci à toi. Et non, je ne suis pas vraiment prête, mais c'est pas grave. Ok. Oula. Il y a un cerf qui nous a attaqué. Maintenant, L1, c'est quoi? C'est ça. Ok, ça c'est pour marcher plus vite. Donc ça, cette touche-là... la PlayStation te fait des misères. Non, là c'est pas la PlayStation qui me fait des misères, Phoenix, t'inquiète pas, c'est... Ah. Donc, ça c'est les totems que je t'expliquais hier. Ouais. Donc, pour ceux qui connaissaient pas le jeu, on va vous l'expliquer également. Ok. Donc, totem de mort. Donc, comment on fait déjà pour aller là? Ok, c'est comme ça.
Donc, dans le jeu, il y a 5 sortes de totems qu'on peut trouver. Donc, le totem de mort qui concerne la mort du... la possible mort, parce qu'on peut l'en empêcher, du personnage qu'on joue, qu'on contrôle. Ensuite, t'as les totems de conseil qui te conseillent un truc à faire ou à ne pas faire. T'as les totems de perte qui te prédit la mort d'un de tes amis, donc à éviter ou à ne pas éviter. T'as les totems de danger qui représentent... Un danger. Qui peut arriver ou... qui n'arrivera pas. Et voilà, oh, t'as tout compris. Et un totem de chance, que quand t'as fait quelque chose de bien, ben, il va se passer ça. Voilà. Donc, pour l'instant, on n'a qu'un seul totem qu'on peut rejouer en boucle. Regardez ça, c'est magnifique. Wouhou! Tu regardes pas? Non! Pourquoi? J'aime pas ça. T'aimes pas ça, Kama? Ok. Donc, on va retourner à notre jeu. Comme ça. Comment on retourne à mon jeu? Retour. Ok. Ok, ok. Donc, on avance dans la neige. Bess? Non, c'est Bess qui parle. Anna! Je me trompe de gens. Un totem bien sympathique, n'est-il pas? Il est très très bien, ce totem. Oui, vraiment. J'espère que Minimis a le cœur bien accroché pour ce jeu. T'inquiète, ça va bien aller. Les fêtes fortes. Wow! Il y a du feu. Un feu! Du feu! Et nous avons reçu un don. Donc nous, même nous, on les entend même plus les dons. Je pense que le son du jeu est beaucoup trop fort pour le don. Un don de Willy Fight 14, pas c'est 24, qui nous dit: j'espère que petite Miss crie pas aussi fort que toi quand elle a peur, parce que sinon nos oreilles vont prendre cher. À suivre, oui. Anna! Oui. Anna! Oh bon sang, tu vas crever de froid. Tiens, mon manteau. Quelle conne je suis. Je suis trop stupide. Anna, Bess. De Sensei qui nous dit: en cas de peur, fermez les yeux et fuir. Donc merci à toi Manu pour ton don. Et nous avançons un second. Manu, c'est Sensei. Oui, mais c'est un personne personnage. Personne ne pourra changer ce qui s'est passé. Et nous avons aussi, vas-y, un don. Le passé est hors de notre portée. Un don de Sensei qui dit: ah, le serveur ne veut plus de dons. Avec un bonhomme triste. Donc merci à toi pour tes dons, nous Manu. Avons le choix. Toutes vos actions, toutes vos décisions ouvrent des portes sur l'avenir. Essayez de vous en souvenir. De vous en souvenir. Pourquoi quand vous Until jouez Dawn? Parce que c'est un jeu que j'adore. Chacun voilà, même si j'ai jamais joué, j'adore. C'est normal qu'on entend plus le jeu que Miss proches. Et Minimis. Ah, ben ça, en fait, il faut me le dire. On va configurer ça. On va descendre un petit peu le son du jeu. Bien. Vous vous êtes décidé voilà. à participer au jeu. C'est un pas en avant. Et je voilà. vais vous aider à le mener à terme. Parfois, ces choses peuvent être effrayante, voire terrifiante. Mais mon rôle est de m'assurer que votre esprit s'en accommode. Quelle que soit l'angoisse qu'elle procure. Bon,
Commençons par un exercice simple. Veuillez prendre la carte et regarder l'image de l'autre côté. Dites-moi ce qu'elle vous inspire. Et rappelez-vous, il est primordial que vous soyez franc pour que l'expérience porte ses fruits. Ok, donc faut pas que tu mens. D'accord. Ok, non, là c'est à moi de réagir. Oh, une belle photo! Waouh, c'est un jouet. Tu trouves, hein? Oui. Qu'avez-vous ressenti face à cette image? Attention, vous devez être franc. Du malaise. Oui. Oui? Oui. Vraiment? Oui, vraiment. Beaucoup? Oui. Oh, malaisante! Bien, la franchise est une bonne chose. Et pouvez-vous... Minimi, c'est une tueuse, regarde! Ils t'ont déjà compris qu'est-ce que t'étais. Oups, on n'écoute plus, là. Il fait peur. Qu'est-ce qui te met mal à l'aise? L'épouvantail. Pourquoi on en a un dans ta chambre? Je vois. Imaginons qu'il n'y a pas d'épouvantail. Pourriez-vous rester seul à cet endroit pendant un certain temps? Disons, une semaine, par exemple? Tout seul, pas d'internet, pas d'amis, pas de chien! Non! Pendant une semaine! Non! Non! Je ne veux pas! Ah bon? Pourquoi pas? J'aurais vraiment peur. T'aurais peur? Oui. Ok. Pas de chien en plus, là. C'est pas nos chiens qui feraient quelque chose. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre élément que l'épouvantail qui t'effraie? Non. Non? Ben, je sais pas. Ouais, non, mais pas dans les choix. Faut que tu lises les choix. Je sais pas. Je sais pas. Ah, c'est intéressant. Malheureusement, la session se termine. Mais réfléchissez à cette question. À votre avis, que manque-t-il à cette image? Un chien. Chose à l'origine de votre peur. Ah non, un chien, ça fait pas peur. Il nous faut la trouver, non? Mais la prochaine fois. Je kiffe les graphismes de jeu quand même. Juste les dents, quoi. Non, mais il est laid. Mais t'es donc bien méchant. Il a des belles dents. Des belles dents tout propres. Et... On chante mieux que. On chante mieux que. Bon! On a le droit au beau petit générique de début. Donc, dites-moi, niveau son du jeu, ça va? Niveau commentary, ça va? Est-ce qu'il y a des lags? Est-ce que tout va bien? C'est important qu'on le sache parce que là, comme je l'ai dit et je le redis pour ceux qui viennent d'arriver. J'utilise pas le même logiciel que d'habitude, donc mon son n'est pas configuré comme d'habitude, la qualité n'est pas configurée comme d'habitude, donc n'hésitez pas à me dire s'il y a un truc qui est pas bien. C'est exactement pour cette même raison que nous n'avons pas les dons qui s'affichent sur l'écran de live, parce que j'ai pas trouvé comment faire sur ce nouveau logiciel. Mais ça vous empêche pas d'en faire quand même, donc c'est toujours l'objectif PGW 2016 qui est en cours, que Oli a fixé à 525€ pour aujourd'hui. Donc je sais même pas combien on est rendu. J'irai voir ça pendant la petite pause. Ah oui, c'est normal, je suis sans le. Ok. Donc Marc. Joli, non? Non. Pas de wifi, je reste pas ici. Le wifi c'est important. Aujourd'hui, le premier anniversaire du terrible drame qui a eu lieu sur le mont Washington. Donc là, ça c'est nouveau pour toi. Je vais charger de l'enquête. Okay. Merci de me recevoir, Marty. Aux auditeurs de la situation des malheureuses jumelles disparues, Anna et Bess Washington. Il y a tout juste un an, les filles Washington ont quitté la sécurité du chalet de leurs parents en pleine tempête de neige. Thèse de l'homicide. Pas officiellement. Donc merci à Ling Gigi et Manu qui me confirment que tout va bien. Régénération aussi, tout va bien. Ok, donc merci. Oli, c'est parfait. Nilessa, c'est parfait. Donc merci à vous, ça nous rassure. Suite de leur projet de construction. Et disait que cette terre était sacrée pour ses ancêtres. Il y a toujours un ancien hôpital psychiatrique dans la montagne. Se pourrait-il qu'il s'y cache? Mes hommes ont fouillé le terrain, mais... Théo, les filles n'ont pas pu aller jusque-là. Quelque chose dans cette montagne semble déclencher des tragédies. C'est rien de le dire, Marty. Merci d'être venu nous voir. Au Washington ce soir, fils Josh, à l'occasion de l'anniversaire de la mystérieuse disparition d'Anna et Bess Washington. Salut à tous, amis et fans. Ah, ok, ouais.
Ok. Salut à tous, amis et fans. C'est vraiment énorme de tous vous retrouver cette année. Voilà, pour commencer, je voudrais vous dire que je suis super content de retrouver tous mes potes pour la virée hivernale annuelle de Blackwood. Allez, sois contente. En fait, bon, pardon. Pour aborder le sujet sensible. Je sais que vous faites tous du souci pour moi. Et je sais que ce sera sûrement dur de retourner sur place après ce qui s'est passé l'an dernier. Mais je tiens à vous dire une chose. Ça me touche. Ça me touche énormément qu'on fasse ça. Et je sais à quel point Anna et Bess seraient touchées si elles nous voyaient tous réunis ici pour leur rendre hommage. J'ai envie de passer du bon temps avec chacun d'entre vous, de partager avec vous des moments inoubliables. Et je le fais pour mes sœurs. Vous voyez? Ok, donc allez, on fait la fête comme des dingues et on va faire en sorte que cette soirée reste gravée dans les mémoires. Ok? C'est parti. C'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Chapitre 1. Momentum Mori. 10 heures jusqu'à l'aube. Donc, le jeu est divisé en 10 chapitres. Chapitre dure. Bon, le temps varie. Ah, il y a quelqu'un! Mais dans le jeu, les chapitres, c'est 1 heure chaque. Ok. Environ. Miss, tu vas faire le jeu à 100%, récup tous les totems indices, etc. Alors, peut-être pas en live. Mais peut-être que de mon côté, c'est fort probable que je m'amuse à tout récupérer en live. Donc, nous avons le portrait rapide de Sam qui est appliqué, qui est la meilleure amie d'Anna, qui est bienveillante et audacieuse. Donc, on continue. Eh oh, on rentre du boulot. Pika, Pikachu, vas-y. Tu peux l'appeler Manu. Alors, on a reçu un don de Manu qui dit « Trop de cinématiques, pas assez de morts. Minimis ne va pas avoir son content. » Ça veut dire que tu vas être déçu si tu ne tues pas cette personne. Ah. Donc, merci à toi pour ton don, Manu. Alors, qui est avec toi? Alors, c'est ma petite sœur qui m'accompagne pour ce live, étant donné que moi je connais le jeu et qu'elle ne le connaît pas, donc c'est elle qui prend toutes les décisions et c'est moi qui contrôle la manette. Voilà. Donc on approche le magnifique portail qui est tout à fait attirant. Rassurant, oui, attirant. bon, donc ça, on sait à peu près comment jouer. Hey. C'est toi ça? Oui. Ok. Oh putain, le portail est cassé. Attends, on va relire ça. Le portail est cassé, grimpe par-dessus. Ouh, nice. Bonne chance. Vas-y. Josh Washington, envoyé le 28 décembre 2014 à 11h54 à Chris. À Chris. Objet itinéraire. Avoir couvert central, prendre le 1-1-B de... Ok, bon, on s'en fout en fait. C'est juste prendre le bus. On n'a pas besoin de prendre le bus. Donc, à mon avis, ça manque de musique de Disney chantée parmi soi, mais on m'a dit que c'est pas trop le jeu pour chanter du Disney, tu sais. Ok, t'es prête, on escalade.
Prudent, rapide. Prudent. On est prudent, on fait attention. Ok. Ah, ça c'est à moi. Hey, mets pas la pression. Go. Je connais pas les touches de PlayStation. Vite, 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 vite. Grimpez. On grimpe. Wow, c'est à moi. Je regardais pas. Ah, ça va, ça prend pas trop mal les touches. Alors normalement, si tout ne bug pas, il y aura en effet une rediffusion. Si tout bug, il n'y en aura pas. Voilà. C'est clair. Je peux pas faire mieux. Allez un peu dans le charter. Je dois le tester ce soir, ce jeu Phoenix. C'est dans mes objectifs. Mais j'en ai acheté un autre jeu qui m'a l'air assez intéressant. Il venait avec Beyond Two Souls. Ça aussi, je dois le tester. Bref. Oh, mais l'ambiance, elle est... Quand tu regardes, c'est une chose. Quand tu joues, c'est autre chose. L'ambiance, elle est quand même pas rassurante. Oh, Nikoï. Oh, ne bougez pas. Oh, il est trop bien fait. Ok, faut pas que je bouge. C'est bon, comme une championne. Mais pourquoi elle avait des noisettes dans son sac? Bonne question. Peut-être qu'elle avait... C'est peut-être pas des noisettes, peut-être que c'était genre des peanuts qu'elle avait mangé dans l'autobus. Voilà. Trouve des excuses à tous. Au pire, je regarde les flous. Alors, je suis désolée. Normalement, c'est du 720p, donc c'est du HD, mais si t'as... ta connexion ne supporte point le HD, je suis désolée, c'est normal que ça soit un petit peu flou. Donc... Ok, elle trouve ça cool. La population indigène et les prophéties des papillons, les tribus qui vivaient autrefois dans ces montagnes, pensaient que les papillons transportaient les rêves et les prophéties de possibles futurs. La couleur des papillons indiquait la nature de la prophétie. Mort. Les papillons noirs annoncent la mort de la personne en train de rêver. Danger. Les papillons rouges prévenaient de l'arrivée d'un événement dangereux. Tragédie. Les papillons marrons prédisaient une tragédie touchant des amis. Conseil. Les papillons jaunes offraient des visions pour aider et guider. Chance. Les papillons blancs apportaient des rêves de chance et de bon augure. Donc, ça revient à nos totems de tout à l'heure. Ouais. C'est ce que t'avais compris? Oui. C'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'il voulait dire. Ok, donc il y a des couleurs. Elle trouve ça cool. Ah, notre premier vrai totem. Parce que tout à l'heure c'était un totem test. C'est notre vrai totem. Il est jaune. C'est quoi? Chance. Non, c'est blanc ça, non? Je sais pas. En plus. Non, jaune c'est conseil. C'est conseil? Ok. Donc on va prendre, on va le regarder. Oh, un oiseau. Ok. Waouh. C'est un totem de conseil. Oh, je l'ai eu. Bravo! La PS4, par défaut, on voit de la 1080p. Je ne sais pas si ça joue sur les paramètres du live. Alors non, j'ai demandé le live en 720p, Phoenix. Parce que sinon, ça aurait beaucoup trop lagué. Ok. Ok, donc on approche d'une grande zone. Très, très rassurante. Avec un petit sac. Chris! Ok, donc il y a un sac là. Très rassurant. T'es pas dans le sac quand même. Humour de merde. Son téléphone sonne. Fermez le sac, fouinez. Fouinez. Ah, petite fouine. Oui. Donc quand t'as des papillons comme ça, c'est que tu viens de changer le cours du jeu. Mais qui voilà? Ah ben là. Un nouveau message d'Ashley. Salut fouineuse. Chris, il fait peur. Chris a le béguin pour Ashley. Il est méthodique, protecteur et comique. Et il est moche. Attends voir, t'es pas mon assistante? Mais ça sonnait. Cool, bien. Merci de m'avoir prévenu. Je vais m'en occuper. Il est pas content que t'aies fouillé dans son sac. Oh, alors, j'ai trouvé un truc plutôt incroyable. Quoi? Je dis rien, il faut que tu le vois toi-même. Viens, c'est par là. Oh, où? Juste à côté. Tu vas halluciner. Oh mon dieu, je vais halluciner. Hallucinationner? Minimis fouineuse, bah trop hein. Trop. Ok. Donc. Tada! Ça le fait, non? Waouh! Ouais! Quand même! T'as vu ces merveilles?
Merveille, c'est pas le mot qui me viendrait à l'esprit. Qu'est-ce que ça fout là? Comment ça? Pourquoi installer un stand de tir au pied d'un chalet de ski? Dis, toi, t'as jamais rencontré le père de Josh? Non. Il se prend genre pour Davy Crockett. Tu veux essayer? Non, après toi, Crockett. D'accord. Ok, allons-y. Ok, allons-y. Ok, je dois viser là, c'est ça? Non, c'est pas stressant. Ok. Ah! Et appuie sur R2 pour tirer. Ok, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Ah! Je peux pas inverser les commandes! Ça va me porter préjudice sinon. Attendez. Paramètres, moi vous me connaissez, commande. What? Je peux pas inverser. Mais non, mais c'est mal foutu. Oh. Ok, c'est trop mal foutu. Je peux pas changer l'angle des Y. Des X. Ah non, des Y. Je sais plus. C'est pas grave. Tire, cowboy. D'accord, je suis un dur. Je suis un gros dur. On va dire que c'est un cas désespéré de la chance du débutant. Non, tu te plantes, gamine. Ok, donc, pouf! Bah, n'importe qui pourrait avoir cette bouteille à cette distance, vu sa taille. Non. Qu'est-ce qu'on fait? Le sac? Ok, le sac. Joli tir. Regarde-moi ça. Oh. Hey, Buffalo Bill, notre taxi. Ah, changer le cours des choses. Ça peut être autant positif qu'un négatif. Tu peux dire à Minimis de lire un livre en live pour qu'on entende sa voix. Ben, tout à l'heure, c'est elle qui lisait les dialogues. En fait, on s'est partagé les paragraphes, c'était assez marrant. Donc, vous l'avez entendu sa voix, mais peut-être que vous l'avez juste pas reconnue. Bon, c'est vraiment bizarre de revenir ici après une année entière. Elle dit se trouver. Rechercher. Milgram Victor, sexe. Ah non, c'est rapide. Masculin. Taille 1m88. Dernière adresse connue. Blackwood, blablabla, on s'en fout. Vu pour la dernière fois. Le 16/3/1998. Recherché pour un incendie criminel au premier degré ainsi que pour diverses menaces de mort. Toute personne en possession d'informations concernant ce dangereux criminel est priée de contacter le PMPB dès que possible. Police montée provinciale de Blackwood. Juillet 1998. Ok, donc c'est vieux si on prend conscience que le jeu est en 2014. Et ça doit être dur pour Josh. Pas ah, je joue Chris maintenant. Ah, j'avais pas fait gaffe. On a changé de perso. Il faudra qu'on garde un œil sur lui. Je contrôle Chris. Il a pas l'air d'être du genre à demander de l'aide quand il en a besoin. Ça, c'est bizarre. Elle est fermée. Josh voulait qu'on la laisse fermer pour pas que les gens rentrent. Il a dit ça? Quels gens? Je sais pas. Il a dit qu'on avait trouvé des gens qui dormaient dans la station. C'est flippant. Des gens qui dorment dans la station. Pourquoi pas? Écoutez, chacun ses passions. Après toi. Oh, après gentleman. Moi, je ferais pas confiance à Chris, je sais pas. Il a l'air un peu bizarre. Un peu. Wouhou, j'ai tout le monde. Qu'est-ce que je dois faire? Faut pas que je fouille un petit peu. Plus près. Bon, on va attendre. Je commence à voir l'intérêt de passer du temps au stand de tir. Combien de temps ça va prendre? C'est une grande montagne. Ok, on s'en fout. Pourquoi je peux plus rien faire? C'est vraiment un drôle d'endroit pour faire une maison. Même en étant plat aux as. Ils sont pas si riches. Ils ont acheté qu'une montagne. Ils sont pauvres, voyons. Qui s'achète des montagnes? Tout le monde, c'est évident. Ok. Il y a des caméras partout. Ça te rassure? Non. Pourquoi pas?
Ah, je pense que le téléphérique est arrivé, ça fait un bruit bizarre. On va retourner voir la petite Sam. Sam! Enfin, on y va? Ouais, bah, je pensais plutôt rester là et roupiller, mais... Ok. Moi, c'est ses lunettes qui ne m'inspirent pas confiance. Ouais, bah en fait, je crois que c'est lui en entier. Je sais pas, il a un peu une drôle de tête. Allons-y. C'est parti, let's go. On recommence. Je connais pas la suite. Allons-y, les amis. Tu sais, nous pourrons y arriver. Non, c'est pas ça. Ouais, je pense. Parce que Josh avait l'air tellement motivé pour qu'on fasse quelque chose. Ouais, non, carrément, c'est clair. Je l'avais pas vu aussi motivé depuis longtemps. Bien, tant mieux. C'est dur de savoir avec lui. Et j'étais un peu inquiète. Non, non, c'était une bonne idée. J'espère que les autres le pensent aussi. On est tous là, non? Merci, c'était cool de te parler. Tu sais quoi, franchement, arrêtons d'en parler et profitons du trajet. Ah oh, ouais, t'as raison. Tu sais comment j'ai connu Josh? Non. En CE2, Josh s'est assis au fond de la classe et moi au premier rang. On ne se connaissait même pas. Mais l'enfant assis à côté de Josh a commencé à tirer sur le soutien-gorge de la fille devant lui. Et le prof l'a fait venir au premier rang, là où je me trouvais. Ok, et? Eh ben, j'ai dû aller au fond. Et? À côté de Josh, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et qu'on est devenus amis, jusqu'à aujourd'hui. Le couple idéal, quoi. Et si c'était justement parce que Jenny Simmons avait atteint la puberté avec 3 ans d'avance et que ce jour-là, son soutien-gorge avait dépassé de son décolleté? Hein? Qui sait? Tu pourrais être seul dans ce téléphérique en ce moment même? Ou carrément, avec quelqu'un d'autre assis à côté de toi? Boum! L'effet papillon. Chaque live, tu chantes du Dora Miss, ouais, ça me rassure, je pense. Je suis un petit peu en mode frayeur. Minimis compte tuer tous les personnages. Alors, je sais pas comment elle compte jouer, on va voir. On va voir. À suivre. Oh, Jess, la nouvelle copine de Mike. Assurée, naïve, irrévérencieuse. Continuez. Pas très belle. Tiens, tiens, tiens. Bon, de moche. Selon Minimis. Donc, maintenant, on joue Jess. Donc, on est seul. Il y a des trucs à faire. Non, il n'y a rien. C'est quoi ça? Jessica, par ici. Mais qu'est-ce que vous faites là-dedans? On est coincé dans ce truc là. Tu peux nous aider à sortir, s'il te plaît? Non, on peut pas vous aider à sortir parce qu'on a reçu un don de Manu, une dose de courage à prendre 3 par jour, un suppositoire. Oh non, pas un suppositoire, s'il te plaît, Manu, c'est pas sympa. Mais merci à toi pour ton don. Merci. Ok, donc Dora, c'est ta sauveuse. Non, mais elle me rassure. J'ai cru qu'on était fichus. 10 minutes de plus et j'aurais commencé à mâcher ma jambe. Ah, oh, t'es un porc, Chris. Regarde, j'ai plein de viande sur mes os. Et c'est que du muscle ici. Ouais, bien sûr. Hop là. Hé, Chris. Je fais juste ce que Sam m'a appris. Les pensées personnelles des gens sont un terrain de jeu personnel. Tu peux arrêter de faire le con. C'est pas vrai. On dirait que quelqu'un a un faible pour notre cher camarade et délégué de classe, Michael Monroe. Chris. Et quel genre de vilaine pensée notre Jessica pourrait-elle imaginer? Je me demande. Insister ou expliquer? Expliquer. On explique. Ben oui. Ok. Mike et M, c'est fini. On est ensemble. Oula, dur. Pas vraiment. C'est très simple en fait. M dégage, moi j'arrive. Oh! D'accord, d'accord. Rentrons simplement au chalet. J'en ai marre de cette nature et de ces conneries. Allez-y en premier. Moi, je vais attendre un peu ici. Non, Manu, pas en support, arrête. C'est méchant. Tu veux dire Mike? Quoi? Je veux dire... Peu importe. On verra. Sam? Oh, vous voyez cette vue? C'est vraiment magnifique. C'est joli, hein? Oui. Parfois, j'oublie de juste m'arrêter pour respirer un bon coup. Sérieux,
Ils auraient pas pu construire le chalet juste à côté du téléphérique. Emily, ex-Mike, intelligente, je suis un peu sceptique là-dessus, entreprenante, persuasive. Je pense pas que ça aurait été aussi joli. Matt, le nouveau copain d'Emily, oh, motivé, ambition et sportif. Ambitieux. Et sportif, pas ambition. Il est où? Ok, donc on joue Mike, du coup. On joue Mike, parce que Mike, il est cool. Non, en fait, il est nul. C'est même pas Mike, c'est Matt. Ah, c'est Matt, oui. Tu suis, bravo. Moi, je suis pas. Ça va faire bizarre de revoir tout le monde là-bas. Ce sera sûrement pas une fête comme les autres. Enfin, qu'est-ce que t'en penses? Putain, mec. Mike. Ah, le voilà, Mike. Ex d'Emily. Débrouillard, déterminé, persuasif. Sérieux? Michael! Vous auriez vraiment dû voir vos têtes, sérieux? Putain, mec, j'ai failli te frapper. Ça va? Michael, t'es trop con. Oh, allez, on est tous potes ici, hein? On n'a pas besoin de violence, c'était juste pour se marrer. On est dans les bois, ça fout les jetons. Allez, faut se mettre dans l'ambiance. Se mettre dans l'ambiance? Sérieux? Tu te fous de ma gueule? J'essaie de détendre l'atmosphère, Em. Sois pas comme ça. Comme quoi? Arrête tes conneries, t'as toujours été comme ça. Accueillant. On est accueillant, donc on est sympatoche. Michael. Ok. Je vais laisser tomber, sinon le week-end entier va être gâché pour tout le monde. C'est très gênant, et nous le savons tous. Alors, pourquoi on n'essaierait pas de passer à autre chose, d'accord? Matt. D'accord. J'ai compris, je veux pas que ça soit bizarre. Super. On est cool? C'est cool. Vous allez vous ploter maintenant? Oh oui, on veut trop se ploter. Non, c'est bon. Je vais aller voir le téléphérique en bas du chemin. Ok. À plus, mec. À plus. D'accord. À plus. Ah, oh, merde. Quoi? Tu peux prendre ça pour moi, s'il te plaît? Les sacs? Ouais, tous les sacs. Pourquoi? Il faut que j'aille trouver Sam. Ok. Ah, je suis désolée, c'est juste qu'il faut vraiment que je la voie. J'avais complètement oublié que je devais lui parler avant qu'on arrive là-haut. Ça peut pas attendre. On y est presque. C'est important. Matt, s'il te plaît. Alors, elle veut partir. Concentration. Oui. On acquiesce, on la laisse aller ou on la laisse pas aller? On la laisse pas aller. On la laisse pas aller. Donc on insiste. Oui. Je pense vraiment que tu devrais pas y aller toute seule. T'es sérieux? Il fait froid et... La nuit tombe et... Et donc tu vas me protéger de la nuit qui tombe? Je vais laisser nos affaires là et venir avec toi. Personne va les voler. Matt, tu te fous de moi? Tu peux même pas me laisser seule 5 minutes? Tu me prends vraiment pour une gamine? C'est pas ce que je voulais dire. Pourquoi tu m'écoutes jamais? Pourquoi tu remets en question tout ce que je dis? Désolé, j'essaie juste d'être serviable. Bon bah, si tu veux être serviable, t'as qu'à monter toutes les affaires au chalet le plus vite possible, ok? Ok. D'accord, comme tu veux. Femme. Merci. Je te rejoins là-haut dès que j'ai trouvé ça. À toutes. Faible, faible, faible. Mise à jour du statut. Oh. Ashley. À le béga pour Chris. Studieuse, curieuse, honnête. Ok. Ouh. Je bouge le truc. Attends, il y a quoi là? Il y a Jess. Ok. Ensuite, on va aller plus haut. Ouais, il y a. Ah ah. Ouais. C'est qui? Je crois que quelqu'un se montre un peu trop amical. C'est Mike et M. Faudrait peut-être vérifier la date de péremption de leur rupture. Ah, ah putain. Bordel. Désolé. Désolé, H. Je suis désolé, je peux pas te faire On peur. Sent, eh ben, je voulais te faire peur, oui, mais pas te faire peur, pour de vrai. C'est pas vrai, tu fais chier. Oh, eh ben, non mais... Désolé, H, sincèrement. C'est bon, ça va, ça va. Ok.
Qu'est-ce que tu regardes? T'as vu un truc intéressant? Laisse-moi regarder. Mentir, encourager. Mentir. Non, c'est un peu cassé. C'est pas vraiment intéressant, quoi. Quoi? Enfin, c'est juste... Sérieux? Je parais que je pourrais trouver un ours en train de bouffer un renard ou un truc du genre. Faire comme il veut, sans problème. Ah, ok, ok. ouais. Vas-y, essaie. Ok, ok. Okay. Putain de merde. T'as vu ce que t'as fait? C'est quoi ce bordel? Hey, écoute, c'est sûrement rien. Rien, tu crois? Enfin, tu vois... Arrête, c'est jamais rien avec M. Hein? Je sais pas... Oh, fais chier. Matt... Ah oh, tu vois, tu fous la merde partout, là. J'ai vu ça. Jessica. Portable ou livre? Livre. Tu trouves qu'elle a une tête de télo? Ouais. Non, pas vraiment. Ça doit être 50 nuances de gris, je pense. T'as pas osé faire ça. Mets tes mains là où je peux les voir. T'es cerné. Mais qui suis-je pour répliquer? Quel autre choix pour moi, une jeune et jolie rebelle, que de me rendre face au policier mignon qui veut m'emmener au poste? Faire une boule de neige, courir vers le bas. Vite, vite, vite! Courir vers le bas. Oh, c'est pas très gentil, ça. Zink! Oh, merde! Va falloir faire mieux que ça, mon grand. Où est-ce que tu te caches, ma petite poulet? Je suis cachée, tu m'auras pas! Ah, j'arrive pas avec les contrôles inversés! L'oiseau? Oui, du truc de tantôt. Y'a quelqu'un? Allez! Hey Mike! Boum, ça coule! Ok, ouais, tu m'as eu. C'est bien joué. Parfois, ne rien faire est le meilleur des choix. Tu peux pas m'échapper, Michael. Tu sais que je te connais pas. Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien. On fait rien? Oui. Ok, on fait rien. On ne fait rien. On n'attaque pas les oiseaux. Non. On attaque lui, par contre. Je vais trouver. Ça suffit. Oh non, ça suffit pas. Oh si, ça suffit. Non, non. Oh, merde. C'est fini. Bien fini. Alors, j'ai fini par terre? Je crois pas. Je crois que tu le saurais si c'était le cas. D'accord, d'accord. Alors, te rends-tu, vil Manon? Vous êtes un brave adversaire, reine Jessica des boules de neige. Ok, ça sonnait un peu sale, là. Madame? Faire une boule de neige. Oh, oui. On la joue garce. Oh. Pouf. Oh, ok. Ok, toi tu vas être puni. Puni comment? Ouh. Eh bien, j'ai une petite idée. Ouais. Ouh, ça mais sent la punition. Plus tard. On devrait rentrer au chalet. Ouais, c'est joli ici pourtant. La vue est à tomber. Je veux dire, je pourrais rester ici pour toujours, mais seulement si on restait à s'embrasser tout le temps. Juste s'embrasser? Bah, entre guillemets. Eh bien, je crois que nous finirions complètement gelés entre ces guillemets. Ouais. Alors, on fait la scène coquine du live. Oh là là, oh là là, les petits pervers que vous êtes. Ils étaient seulement allongés dans la neige, voyons. Ils ont rien fait. Ils ont rien fait. Oh, 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 de retour chez le psychologue. Ah. Bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Mal. Tu vas mal? Nous avons à peine effleuré la surface la dernière fois. Donc maintenant, essayons d'approfondir les choses. Aujourd'hui,
Nous allons essayer de découvrir l'origine de vos angoisses. Ok. Prenez ce livre et feuilletez-le. Okay. Vous y trouverez des images et des symboles. Ok. Que vous me montriez sur j'ai compris. L'image qui vous effraie le plus. Ok. Donc, qu'est-ce qui t'effraie le plus? Les hommes m'inquiètent, les femmes t'inquiètent. Les hommes. Les hommes t'inquiètent. Ok. Ah, c'est à moi de tourner la page. Ok. T'as peur de la foule ou des avions? Des avions. Ok. Avions. Alors, t'as le vertige ou t'as peur de te noyer? Me noyer. Te noyer, ok. C'est noté. Les serpents ou les rats? Serpents. T'as peur des serpents? Oui. Ok. Ils vont tous te manger. Mais j'aime les serpents, mais pas là. Ok, pas là. Ok. je dois tourner la page. Ok. Couteau. J'ai peur des pistolets, j'ai peur des couteaux. Couteau. T'as peur des couteaux. Ok. J'ai peur des serpents, j'ai peur des cafards. Moi, cafards. Moi aussi. J'ai peur de tout ce qui bouge et qui ressemble à une bestiole. Ouais. Ok, on continue. Ok, peur des clowns ou des épouvantails? Des épouvantails. Des épouvantails. C'est pas vivant. C'est vrai que ça a une tête à frapper dedans. Le sang me dégoûte, j'ai peur des corbeaux. Le sang. Le sang. Le sang. Le sang te dégoûte. Oh. Mais voyons. Calme-toi. Vous vous en sortez bien. On était concentrés. Détendez-vous. Essayez d'accélérer un peu. Plus vous fonctionnez à l'instinct, plus vos réponses seront franches et plus cette expérience sera source d'enseignement. Ok. Araignée. Araignée. Pas moi. J'ai pas peur des araignées, moi. Non. Les aiguilles. Les aiguilles. Pourquoi ils nous le montrent tout le temps? Des zombies. C'est moche, un zombie. Vraiment, ils te ressemblent. Hey, méchante. Les loups. Nous avons reçu un don de Manu qui dit selon les résultats de Minimis, elle serait psychopathe. Donc merci à toi pour ton don et pour ta révélation. Donc peur des aiguilles ou des loups? Les loups. Les loups? Loups. Ah ouh. Les loups ou les orages? Loups. Les loups. Oui, c'est vivant les loups. L'orage, ça va mal. Voilà qui okay. est intéressant. Merci pour cette si grande application. Ça fait plaisir. Les araignées, les zombies, les loups. Drôle de combinaison, de quoi passer un bon vendredi soir. Alors, on est vendredi. Ah, je regrette... La session touche à oui, sa bien fin. Sûr. Ça ne dure que 2 minutes, tes sessions. Nous en reparlerons bientôt. Ok. On en reparlera bientôt, si tu veux. Ok. Les gens. Nous allons profiter de cette fin de chapitre pour faire une courte pause. Alors de 6 à 8 minutes, tout dépendant de notre envie. Donc n'hésitez pas à profiter de cette pause pour faire tout ce que vous avez à faire. Aller faire pipi, aller vous chercher à manger, aller vous chercher à boire. Et on se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez surtout pas les amis. A tout de suite.